Liliane Pierre-Paul qui était formé au duo avec compère Philo, au duo qui est marqué la presse haïtienne. Et donc nous pral parler de Philo avec un monde qui était connaît vraiment qui est ce compère Philo au Théier, en tout cas en termes d'engagement que li te prend sous la dictature des Duvalier. Madame Liliane Pierre-Paul est avec nous. Liliane, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Marie-Lucie, un salut à toutes auditeurs et auditrices Radio Vision 2000. Mm-hmm. Liliane Pierre-Paul, nous remarquons depuis la mort de compère Philo, chaque monde y a parlé de Philo, gon bagay qui sorti, c'est sagesse, simplicité, mais chaque monde te connaît un Philo. Parlez-nous matin là, nous parlons un peu plus d'une heure et matin mais bah m'a fait un coup Philo, même vraiment et dans l'écoute et parlez-nous de Philo Paul, la personnage où te connaît, qui est l'idée. Ou gen raison pou di chak moun gen Philo pa yo, paske Philo de gen api dimensyon. Philo, se vre, li ale, li kite yon imaj de sajes, depi plusieurs ane, depi bel retourne sote an victime, ki pa exactement menm jan li teye avan. Mwen kapab di, mwen konen de aspe nan di Philo, aspe lèm de ansamavel, notre affinité comme journaliste engagé, un mot qui va exister encore en passant, et journaliste indépendant engagé face à la dictature dans une équipe, et qui c'était Radio Haïti Inter, Radio Jean-Dominique Lan, et bon Philo, là nous retournons sur un exil. Et Philo, c'est un combattant. Et il était engagé toute jeunesse dans la bataille contre la dictature. Et il était fait sans aucune retenue, sans aucun calcul. Et il était fait au risque de vie chaque jour. Et ça n'a pas dit dans rien, il n'a pas dit que, oh, quoi, si je fais ça, ça a privé. Il n'a pas absolument aucun calcul. C'était un engagement de une génération tout, et par rapport à la dictature qui. C'est inacceptable, insupportable, et que chaque monde te gagne pour te bailler, pour te bailler. Et Philo, c'était un leader du pays, dans la bataille ça. Il menait un combat contre la dictature, pour la liberté d'expression, pour toute liberté qui était confisquée dans la dictature, parce que le monde n'a pas de droit pour réunir, on n'a pas de droit pour parler, on n'a pas de droit pour penser, on n'a pas de droit pour circuler. Tout droit, ça a été confisqué. Donc, nous-mêmes, surtout dans Radio Haïti, et tout le journaliste, samedi soir, il y a plusieurs autres médias qui étaient engagés dans la bataille, et plusieurs autres segments dans la société haïtienne, qui étaient syndicalistes, qui étaient écrivains, qui étaient comédiens, qui étaient dramaturges, qui avaient écrit des théâtres. Elle a dit que c'est gagné un mouvement. Et dans le mouvement, ça, et au niveau de la presse, si l'autre a un leadership incontestable, parce que Philo, Kapabdou, c'était une icône Philoté. C'était une. Ouais, nous n'avons pas parlé de ça avant, mais là, je regarde rétrospectivement dans la période, Philo est un superstar, un méga star. Philo, là, Philo passe son côté, c'est tout le monde qui vous campe pour saluer Philo, tout le monde a passé des Philo, quel que soit côté, le passé, il n'y a pas tout le monde respecté. C'est comme ça, ça fait exactement, il y a un grand tout parce que le régime n'a pas joué. Mais on parle de la mi-temps population et même l'homme, ça a une divergence pour ne pas manifester parce que plus fort, mon mieux, c'est opinion favorable qui a pour engagement. Ça. Engagement qui est pur et qui est net et qui est sans nuage dans la bataille pour liberté d'expression, pour toute liberté. Mm-hmm. Parce que Philo, c'était une espèce de justicier. Là, au fond, mon bagage, c'est Philo et il va le prendre pour le mener. Fini. Par exemple, les rencontres ont paysan de voler tel. Brasser, recevoir, tourner, ramasser cause-là. Il y a un peu de qui peut aller aux États-Unis, qui ramasser cause-là. En plus de ça, il inventer de concepts, de mots, bien populariser de mots, et que qu'on parle dans la cour, qu'on parle dans la bouche, grand nous. Et puis, il mène, au niveau radio. Et puis, il y a un peu de temps. C'est ça, Philo, c'est un combattant.
Philo, c'est un monde qui était engagé dans la bataille pour la liberté, mais engagé tout pour la culture haïtienne. Mm-hmm. Et Lipay, langue créole, la, lettre de noblesse, dans le métier journaliste. Elle dit, c'est une contribution ça, Philo Bay. À une époque. Avant la chute de dictature. Oui, oui. Mm-hmm. Dit avant et à une époque où il n'y a pas tellement parlé créole et dans les médias. Et vraiment, où dit que Philo, c'était un leadership incontesté au niveau de la presse haïtienne dans l'époque là. Est-ce que c'est engagement que l'été gagnait et pour époque la bataille là qui fait li gen leadership là ou bien ces personnages que l'été en a souligné un personnage atypique. Bon, les deux là, il dit. Mm-hmm. Et c'est toujours très complexe être humain. Oui, ces personnalités, il y a d'abord non Philo associé, non pièce et Antigone. Qui était adapté en créole, qui était joué Walsa, qui était là non aussi, mais il était tellement marqué Walla, qui fait non vidéo de Poulinette, tout le monde même brillé sur Anthony Pascal. Et puis après ça, il est entré dans la job d'entendre Franck Etienne qui t'a dit rencontrer avec Philo dans le théâtre. Philo, c'était un comédien, un très bon comédien. Mm-hmm. Et donc, quel personnage, il y a des gens qui sont là, et puis il y a Wall. Qui jouait, qui vient de balle leadership ça. Mm-hmm. Je semblais dire, est-ce que c'était Philo et les autres à l'époque là, alors tu as parlé de journalistes? Ah ouais. Mm-hmm. Ça n'a pas fait quelqu'un qui a demandé. C'est que j'en ai joué d'être tout. Mm-hmm. Et, mais genre, c'était dans l'autre registre. Et, mm-hmm. Mais Philo, elle dit que pour populariser. Et langue créole là, fait que l'entrée caille tout pour parce que je dis tout à l'heure, et français hein, c'était lui-même qui était dominant dans la période ça dans les médias. Donc c'était le premier ZAM effectivement qui t'a fait dans les radio. Et c'est Radio Haïti qui était un leadership là, qui t'a créé une salle de nouvelles et pour faire une nouvelle en créole à côté de français qui était très dominant. Et pour point d'où Radio Haïti reste de parler à la fois un très bon français. Et un très beau créole, et qui était grand pile recherche. Et tous ces premiers radios qui étaient faits retranscription match en créole à Kester Aubry directement et dans le stade 14. Et c'est un radio lumière qui était joué un gros rôle et dans faire promotion et langue créole là. C'est un 4BVH tout. Et Radio Sayo, il y a même c'est plus dans l'évangélisation. C'est un pasteur Daniel Hart et qui c'était un. Des monde qui te gagne en pile influence dans le monde évangélique non, et dans le monde journaliste non, tout, et qui te écrit d'ailleurs sur l'expérience ça et qui te fait en pile promotion tout dans pour langue créole. Mm-hmm. Mais au côté médias laïques qui pas gagne un engagement confessionnel ça serait de bien c'était Radio Haïti et Philo c'est lui même qui était pilier dans la bataille ça. Mm-hmm. Parlez-nous de rencontre Liliane Pierre-Paul avec compère Philo. Rencontre dans Radio Haïti. Bon, bah qu'on est si nous t'ai rencontré avant parce que moi m'a vine et sous Radio Haïti justement. Oui, t'ai rencontré avant avec Philo. Mm-hmm. Et Philo t'ai dans conservatoire de la dramatique, t'ai rencontré avec lui avant que nous rencontrer dans Radio Haïti. OK, où t'ai fait théâtre tout? Non, on va faire théâtre. On va faire ça, là, ça. Et on nous parler de rencontre avec Philo, où tu connais avant, Philo était déjà connu à l'époque. Est-ce que le Jean-Dominique, je suppose, qui... Non, l'homme de toi, c'est Philo, le porte c'était à peine émergé. OK. Ça très, très jeune, alors. Très, très jeune. OK. Théâtre, mm-hmm. OK. Donc il porte qu'un succès que il était gagné. Il était fait cap commencer. OK. Et puis vrai rencontre, nous rencontrer non espace non rencontre sociale. Mm-hmm. Mais vrai rencontre avec Philo, rencontre collaboration pour faire dans la Haïti. Nous dans qui année là? Et nous dans fin 77-78. OK. Et c'est Jean-Dominique qui est Vinicef Philo qui t'a présenté nouvelle là d'abord, c'est ça?
Oui, oui, et Philo. Philo, okay. Seconde journée, c'est le journal 9h. Ok. Et l'agent Dominique Vigny et... Les jours, bon, Liliane et Pierre-Paul, bon, à partir de tel jour, et nous pourrons les présenter et journal là avec et Philo. Est-ce que Philo te guettant avant du haut à tes formes, il a commencé à avoir succès dans la radio? Oui, il a eu un succès. Non, il n'y a pas tout dans le passé. Ce n'est pas du gens qui t'ont occupé de ça. C'est un rédacteur en chef, c'est une hiérarchie. Dans la radio, le rédacteur en chef, c'est dans la salle de nouvelles là, c'était qui meilleur. Ma période MCA, et j'en prends la décision de discuter avec l'acteur en chef, l'acteur en chef en météo en application. Le ça où tu as commencé à travailler comme journaliste? Oui, comme reporter. Ok. Et qui j'en ou t'es accueilli nouvelle ça, décision ça, et que désormais ou même ou pas présenter. Non, c'est progressif, je suis venu progressivement. Et d'abord, comprendre pour moi-même, c'est le reportage qu'on a fait, et ça fout nous tous, Sony, Marvel, Price, et Jacques Jean-Baptiste, et toute équipe là. Et Charles Junot, et Yoban nous tâche pour la faire. Ça tout le reporter fait. Et pour nous couvrir, moi-même, j'étais affecté pendant un bon bout de temps dans le palais de justice, parce que c'était une période où c'était un acte criminel. Et même pas que j'ai oublié le premier jour. Bien sûr, Michel Parfait pour parler, et pas peut-être pas venir parler, mais pour moi parler de ça, pas j'en brille, premier jour, mettez un jour à quarantaine. Je fais trois jours, je mettez dans la radio tellement, moi, parce que moi, par contre, qui ça me dit, parce que moi, je ne pas attendre, je mettez mettre à l'antenne. Moi, je fais mal et le reportage dans le studio. Et là, on fait qu'avant enregistre, qu'on doit tomber, ou recommencer, tout ça, et puis pour le reportage fini, et puis un jour, je rêve pour me faire une information. Mais qui j'en et situation y est dans le palais de justice là. Et puis il y a tout mettez-moi non fait trois jours mal on mettait dans la radio tellement moi pour moi-même tout pour me tenter ma bégaye moi on voit et puis si vous n'avez pas l'autre pour ne pas vous dire mais c'est un gros bain ou pas tout pour me tenter voir moi dis non pas bien parler pas quitter par ça. Et puis à propos de faire direct oui. Premier pari quand ça a toujours passé. Et puis par la suite, bon, c'est un travail qui a fait des opportunités qui ont créé et puis essai. Il y a des coups d'essai, des coups de maître. Et il y a des secondes vides. Bon, et pas un bâton hiérarchique, par contre, si ça s'est dit, il n'y a pas de point de vue non plus, mais pour évaluation qui fait, qui dit que. Il y a peut-être un stylo, parce que peut-être une fille en garçon, ça capable d'avoir plus d'impact encore. Et puis, pour Philo est un superstar, Philo ne doit pas accepter. Philo accepte. Et puis, ça commence comme ça. M'imaginez que vous-même, vous préparez nouvelle ou consciencieusement, religieusement, et puis, Philo même, il vient d'arriver à la dernière minute, et bien, il a traduit tout dépêché. Non. Il va toujours à la dernière minute. Il est consciencieux. Okay. Il est toujours là. Non, il va arriver à la dernière minute. Il est donc préparé le journal normalement. Mais il n'est pas prêté esclave de ça l'écrire. Il a improvisé là-dedans. Et improvisation, pour l'obtenir, pour l'impression, c'est comme si c'était préparé, il n'est pas préparé. C'est pendant l'inamicoire, parce que l'inamicoire est une ballon de l'autre dimension. Pendant l'inamicoire, et puis la nouvelle, la palette dimension pour le balier au fur et à mesure. Et c'est quoi l'invité dans le théâtre là? Parce que il vient entrer dans le pot, personnage dans la vie. Et c'est comme ça qu'il vient inventer à faire mâchoire ou, par exemple, les nappes nouvelles. Parce que c'est pas un pile nouvelle internationale. Et c'est une culture de Radio Haïti. Et pour qui raison, c'est une raison tout qui fait une nouvelle locale. Mais une nouvelle locale, c'est explosive sous dictature. Et par exemple, c'est bien des listes côté de l'eau. Ou font un reportage. Pour dire que nous avons des listes de pétions et sous belle pour faire de l'eau. Pas pour que nous arrêtons, pour montrer dans quel niveau et situation c'est. Mais dans l'élan international, et puis dans le Venezuela, au fur et à mesure de situation qui semblait à la situation en Haïti, tant qu'en Nicaragua, tant qu'en Iran, tant qu'en Ouganda, par exemple, pour des gains de dictateurs, et puis nous allons inventer par les mâchoires ou non. Et nous, mâchoires ont tombé. Et mâchoires ont été au propre comme aux figures en Haïti.
et l'aile du marcheur, et c'est par métaphore, c'est pendant la paille d'information, et puis la prouesse, tout le temps, on a dit sur Nicaragua, et bien, depuis ça, on a parlé, c'est de Haïti, on a parlé, en fait. Et c'est pour ça, mais il était qu'on préparait et formation. Il va venir dans la dernière minute. Ok. Et là, il était une superstar là, il était un talent, mais c'était un rude travailleur. Ok. Mais toujours simple. Toujours simple. À l'époque. Oui, mais c'est petit, il a célébré, je ne veux pas dire, Philo, Philo, pas toujours pour ça. Ok. Et là, on a dit que Philo, c'est un monde qui s'est plein, Philo, bon, tout le monde qui a marché. Ok. Non, mais c'est deuxième, parce que grand pile monde, c'est Philo qui retournait après exil là. Yo connaît, ou même comme ou pratiquait, m'a dit tous les oui, deux Philo. Yo vin connaît un Philo qui a s'agi, un Philo qui gagne une lecture profonde et de monde et de paysan et qui vin bal comportement ça vin gagne. Hein? Parce que Philo était ouais diable en face. Et les arrêter et les torturer, faire mettre en prison exilé. Et certainement ça a provoqué, et puis l'hypothèse de mourir avec ce qu'elle torture. Et le régime n'a pas fait sous lui. Mais Philo, c'était un monde entier. Et l'hypothèse tolérant par rapport à cette catégorie de monde bien spécifique. Tout le monde qui est faible. Tout le monde qui a besoin, tout le monde qui gagne un problème, eh bien, pour mettre des infibres. Vraiment, ouais, devant Dieu, il a touché, il a jeté tout le problème à madame qui lui a expliqué le problème qui gagne. Eh bien, il bon seul pour le faire. Dernièrement, je me suis un collaborateur dans Guinée, dit lui, pour madame de l'une côté, la banque Avel, et puis il dit, bah, moitié chèque là, pour moi, elle a évolué. Parce que avant, ça fait tout le monde. Mais puis l'autre dit, mais qui on va dire, c'est pas ça qui est important. Vous voyez? Là, tout le monde vient comme lui. Mais on va écouter la vienne comme là, mais non, c'est pas ça qui est important. C'est mon sac besoin. Il était toujours très respectueux par rapport à mon sac. Et c'était un bras, c'est toujours l'ouvrir pour eux. Mais l'autre monde qui doit comprendre que le cas d'une provoquer, souvent provoquer, c'est l'objectionnable. Ok. Et nous avons retourné sous duo, hein, Liliane Pierre-Paul et compère Philo. Et est-ce que très rapidement, où tu as joué une place, place où, et aux côtés de Philo? Parce que ça n'a pas parlé là, le grand public, Liliane n'a pas compris, mais tout journaliste a compris, et ça n'a pas dit, parce que c'est toujours très difficile, l'heure où joindre une équipe en place, surtout si machine n'a bien huilé, ou même pour, ou venir pour faire en sorte pour, ou jouer une place sous et puis pour mayonnaise à l'ipre. Bon, non, ça va être pour ça, non, pour une deuxième place. Et puis, Philo te facilite la tâche, il passe que il y a une résistance, il était trop content, il était Benavel, et toute équipe là, j'ai trouvé c'était très bien. Et bon, c'était qu'on a peut-être à penser à soi, mais non, pas ça doit penser ça même. Et puis rapidement, nous venons travailler, nous sommes très performants, et nous même c'est une fusionnelle. Et dans les gens qui nous travaillent là, et tout le monde qui est sachio, et au fait que c'est bien fait. Et non, pas bien qu'il y ait un problème, pas bien qu'il y ait un problème avec nous, dans la présentation journal, pas qu'il y ait un problème du tout. Et puis ça c'est sous de nous tous, c'était un idéal. Moi, quoi, là, tout l'autre à service secondaire. Et c'était idéal engagement que nous connaissons, et au-delà de utile, pas seulement utile, mais de participer dans un mouvement qui est plus vaste. Et nous connaissons tout Radio Haïti dans le mouvement démocratique qui a été moteur. Donc, et ça, il fait que l'on engagé comme ça, et plusieurs aspects, mais si on parle de tout. Ok. Et est-ce que nous sommes très jeunes, photo, il y a sorti là, et depuis la mort de... Ah, vous connaissez ça, parce que même gon Liliane Pierre-Paul, que moi, ouais, là, il a partagé sur tous les réseaux sociaux, nous avons commencé jeune. Mais est-ce que, dans l'époque là, nous dit, la bataille contre ou dictature, mais et nous, très conscients, et de danger à nous connaît que chaque jour
nous sorti la caillou ou à faire reportage ou aller dans radio pour travailler surtout nous-mêmes nous travaillons le soir mais et chaque jour nous connaissons, nous t'es capable pas rentrer chaque jour c'est dernier jour Donc c'est comme ça. OK et non, mais parce que avant pour arriver à attaque finale là et c'était un paquet d'attaques chaque jour et de t'ai arrêté Philo en octobre avant novembre et avec Renaud Martina qui était chef opérateur dans la radio et pendant Philo t'ai enregistré des reportages il était fait parce que Philo était un grand reporter. Et si on passe, fait plusieurs temps et là, fait reportage, par exemple, sur question Kante, Libéral Bayen non ça, DPM Kante, et toi pour Miami, les gens ne sont pas si bon pipolo. Là, les côtés, il y a fabriqué bateau eux-mêmes, et dans le nord-ouest, et il fait une série de reportages. Pendant qu'il a travaillé sur une série de reportages, il était fait avec passé. Là, sorti bien dans la radio, et puis arrête elle. Et demain matin, il fait une nuit dans la prison. Et par la guerre, les gens comme ça demain matin, fait toutes les marches par la guerre. Pendant 11h du matin, et Jean est monté à Dieu, il dit arrêtez qu'on fait silence, seulement c'est ça. J'entends un pays à camper, un pays en ébullition. Et puis on va la guerre, il y a quelques mois, dont demi-heure après, premier appel Jean lancé. Et la guerre. Et Prince Duval t'a expliqué ça très bien. Il disait pour la première fois, sous dictature, il a arrêté au monde. Il n'y a pas resté à Dieu, il a dénoncé ça, un grand journaliste, Jean-Dominique, dénoncé ça, un journaliste qui en face du régime, non? Et le régime non, obligé de céder, et moun nan li sorti dans la prison, il y témoignage qui t'a offert, qui j'ai été arrêté, comment de s'en soucier. Ou pas jamais ça, sur le dictature qui va bien. Lors dit en ébullition, ça méritait une explication. Jodia, nous t'es capable de dire, moun prend la rue, y a mandé libérer Philo. Là, nous t'es sous dictature. Pas de kage ça, moun t'es peut parler. Pas de droit manifester. Pas de droit manifester. Pas de droit manifester. Ou pas de droit, c'est une grande première. Parler à moun qui disparaît sous du badé. Je vais à moun côté passé, jusqu'à présent, j'ai promis moun qui va à jeune jeune corps pour mieux, qui mourit dans le dimanche. Qui mourit dans la caserne de Saline, dans la pénitentiaire nationale de Banan Junior, eh bien, c'est la première fois que ça a fait. En octobre 80. Voilà. Octobre. Nous défions le régime. Nous défions le régime. Lundi, en ébullition, tout le monde, si on a toute l'école, le monde qui est dans la machine, le monde qui est dans le magasin, tout le monde sont seul bagaille. Tension dans le pays, tension, il a arrêté qu'on fait cela. On vient là sous la grande rafle du 28 novembre 1980. Eh bien, bon, c'est, on a dit ça, surtout qu'on va tourner. Bonjour, ça me saute, pas jamais tourner. Nous tous, tout sortis la caïdou, pour que pile dans nous, nous ne pas jamais tourner. Et, il y a un peu de mourir, tant que Richard et Brisson, il va mourir dans une tentative de débarquement. Contre régime, non? Et gagnant qui est tout à l'étranger, bon, qui ça a fait? Depuis quelques jours, ils mettent nous sous surveillance. Et ils ont suivi à Dieu. Parce que, pour comprendre, ça passe depuis novembre 81, ça a fait aller dans la politique internationale, dans la géopolitique concernant le pays États-Unis. Et tout mouvement, moi, parle, qui aboutit à la bataille presse indépendante, l'Ivine prend ampleur à l'élection. Et Jimmy Carter aux États-Unis comme démocrate qui accepte la politique internationale sous droit monde, politique de respect droit monde. Et non américain, c'est une dictature, et en Haïti, dictature, ça, c'est là depuis longtemps. Et qui vient faire ça, soi-disant, et Jean-Claude Duvalier, le pouvoir de dire, papa, de faire révolution et politique lui-même, lui a fait révolution économique. Mais en réalité, c'est plein prisonniers politiques dans prison. Les Jean-Claude Monté, c'est 4 ans après la guerre, par pression. Donc, pression et gouvernement américain sous dictature pour changer et quitter la réponse qui dit que la présidence Adi n'est pas négociable. Et pour nous, là, il y a des fissures qui viennent gagner dans la dictature. Et ça fait genre d'événement, tant que ça ne peut pas là, là, c'est capable possible. Et parce que dictature a toléré aucune manifestation de position différente de parle. Parce que c'est seul pouvoir gagner, le dominant,
li totalitaire et tout moun se coupé ou. Tout moun ki pa coupé ou konnen un jour ou l'autre ap gen pou peyi. Ça nous était conscient de ça et nous était prend plusieurs persécutions pendant plusieurs temps. On a crise politique aux États-Unis et crise d'otage et à l'ambassade américaine à Téhéran. Et démocrates vont perdre du pouvoir et républicains vont venir en force avec un néolibéral et Aurélien Ronald Reagan. On a le gouvernement haïtien lui-même l'attend parce que il a pris pression dans mes carters. L'attend que républicains passent. Les républicains passent effectivement l'élection c'est 4 novembre 1980. Et c'est républicain ou passé. Juste à ça, c'est fait qui te gagne dans le palais national. Et ouais, champagne. Tellement content. Bal la fini. Bal la fini. Et non seulement yo deal, mais yo fer. Et yo vin dans une démonstration devant le local radio ici, à Ténarie. Parce que nous avons gagné dans ça, c'était un mouvement que vraiment. Et, nous capables de donner l'âge d'or et de caisse haïtienne non et Radio Haïti c'était une radio moteur et dans genre de initiative ça yo et nous t'ai fait soirée américaine et découvri élection qu'a fait aux États-Unis l'un nous va sortir Macoutio campé dehors il a tiré il a célébré depuis ça tout le monde conscient nous pas comment ça va le passer mais nous connaissons et yo va le faire une attaque. Et le 4 novembre, pour le 28 novembre, et ils ont préparé le BSD, qui était police politique régime, non, qui était Jean Valmet, et Tiboulé à Portel, qui était trio qui a dirigé là. Ils ont gagné CG, qui était un espion, et qui espionnait nous pendant tout le temps ça, pour qu'on comment attaque la vraie fête. Et puis finalement, c'est un vendredi, 28 novembre. Yo faire calcul en tout probablement à ça qu'elle passe aux États-Unis parce que on connaît un président pour aller son canard boiteux et lié dans le système américain Carter perdu élection c'est préparé tout pour la préparer pour remettre pouvoir deuxième lundi mois janvier par une nouvelle administration et puis on en fin d'année et donc choisi moment bien et d'ailleurs on connaît mobilisation très faible et au point de vue international, et pas gagné gros impact, c'est ça que j'ai pensé, mais vous trompez. Et vendredi 28 novembre, ils ont passé à l'attaque. Avant de venir envahir Haïti, ils ont arrêté une série de personnalités, et ils ont arrêté Richard Brisson avant. Richard était directeur pour Gabinet Nature. Richard était venu carrément dans Bois Vernard. Et venir manger vers midi pendant la descente de machine, yo prenne à la reine, nous pouvons connaître. Et yo arrêté Grégoire Jeune, qui était dans l'opposition tout. Yo arrêté plusieurs syndicalistes. Et pendant toute la journée, a continué. Et dans le commencement après-midi, les informations commencent à sortir. Il a arrêté Constant Desponyon, qui était directeur au collège, mais qui était gagné une revue ou hebdomadaire qui était dans l'opposition à pouvoir. Et comme ça, et puis après ça, non, fin après-midi, il y aura le cas Erard, qui n'a pas eu le choix en face du séminaire au collège de Marcel. Là, il y aura été Gabriel Erard, il y aura été Jean-Robert Erard, il y aura été Pierre Clisson. Et puis, là, toute information, ça, il vient de joindre nous. Nous-mêmes, nous, dans la radio, nous avons quitté la cam à 9h du matin, et tout le monde était là, mais Jean va plat. Jean t'a loué un monde qui était malade, ou un homme qui était malade. Et dans l'hôpital Asile Français, et j'ai pas jamais retourné dans la radio. Et juste à tout, c'était juste payroll, et pas oublier ça, c'était Gérard Hilton qui était administrateur, il a réussi à faire payroll, pas personne ne va toucher, c'est l'un de tous les Et puis, pour y aller, tout le monde travaille, et nous devons changer de rédaction en chef, c'est à l'organisation de rédaction en chef, et Michel était à diriger conjonction. Et dans l'Institut français, mais il vient faire le journal les après-midi. Et là, Michel Vini, et réunion faite dans la salle des nouvelles là. Mes informations qui gagnent. Nous allons nouvelles gens, et puis après, d'arrêter nous de tous côtés. Et puis, nous allons faire un éditorial et que le rédacteur en chef, non, pour enregistrer qui passait une première fois, il va être passé une deuxième fois. Et pour dire que situation rétention dans la ville là, il y a plusieurs arrestations qui faites, et directeur nous pas là, nous pas à Wally.
Et ensuite, nous-mêmes, dans Radio Haïti, nous très inquiets, c'est violation des droits monde et le gouvernement n'a pas respecté aucun engagement international, et ça, l'éditorial l'a dit. Laguer l'éditorial là, c'est passé une seule fois, et il n'y a pas passé deuxième fois, c'est tout le monde dans la ville l'entendait, et parce que l'opérateur a été écouté par son musique, et Center Ball là, ça a été fait, et puis on a couru descendre, il y a une radio là, pour une compte, ça a passé, tout le monde qui couru descendre, la police débarquée, SD débarquée, arrêté tout. C'est pour ça passé. Ok, mais ou même ou t'es sur place, filo tout? Arrêtez, tout le monde, même l'air de débarquer, nous même nous pas connaître, nous dans le studio, nous sommes passés devant d'abord, rentrer dans le premier monde, jeune, au fur et à mesure, salle des nouvelles là, immédiatement après administration et après réception, il y a tout journaliste au téléphone, salle des nouvelles là, ils sont tous. Mais c'est parti dans l'autre groupe journaliste qui t'est trouvé dans le studio. Pour nous regarder, la police en dedans, des états. Et puis, on regarde les armes sur l'opérateur met deux mains dans l'air. Et puis, pour nous pas qu'il n'y a pas qu'à manger, c'est une bonne langue, et ça fait la fête. Et puis, tout pour nous, on va aller, il va attendre Radio Haïti encore, pas rien de musique, pas rien. Et puis, nous-mêmes, nous sortis dans le studio, deux mains en l'air, parce que c'était menacé, non. Pour nous, le lundi, paraît, nous jouons tout pour nous aligner dans un grand couloir qui était gagné. En cabinet, maître Constant et Maillard Paul, qui était sous cette européenne bouton là, et avec Radio Haïti, dans le couloir, ça y a lié tout le monde. Et puis, moi-même, paraît, ensemble avec Silo, on y paraît, et on me noter moi-même, ensemble avec Silo, on fait nous descendre, 33 marches qui te gagnent, et nous descendons en bas, et nous quittons tout le reste. Tout le monde aligné, tout le monde en bas à l'arrestation, mais un seul monde qui te sauvé. Si on regarde, c'est passé dans le net pour sauver. Mais après ça, tout le monde, net est arrêté tout le monde, et ni visiteurs, monde qui est inquiet, et amis, même des familles qui sont venus, et c'est là qu'il a arrêté Frère Nantou, qui était couru dans la radio, et il a arrêté tout le monde. Et puis, quand il y a là, je descends avec moi à Silo. Et ça, c'est SD, c'est pas la police, SD, en civil. Expliquez-moi, et police politique, expliquez-moi ça, SD, aïe. Police politique, police espionnage gouvernement. Ok. Police politique. Mm-hmm. Et qui va y mener ou même à filo? D'abord, il va mener nous en destination éternelle. Et c'est ça qui va le faire. Là, nous arrivons sous parking en bas, dans la rue, qui est parking, non, pour machine banalisée qui t'attend même à filo. Et c'est TG qui va aller avec nous. Mais c'est bien la police qui était là, la police était à peine au PH à l'arrestation, la police était bien policier en bas, et c'est bien Paul Austin Casimir, qui était officier de police, et que tout le monde connaissait l'intérieur, et qui était habillé à uniforme police, non, bleu clair et bleu marine, et pour pantalon, et puis képi dans tête, tout bas en policier. Et puis, monsieur, ouais, il faut le mettre dans la machine, et monsieur, connaît qui ça peut le faire. Et puis, monsieur, monsieur font une tentative qui ne doit pas passer, mais il marche. Monsieur dit, on va être bon, et puis, mon qui n'a pas le mettre dans la machine, là, on s'est hésité. Et puis, par contre, ça passe, et puis, il dit, moi, nous, mettre bon, et puis, qu'on est là, monsieur courut ouvert pour machine la police, non, qui est estampillé police nationale, police, et puis, nous monter dans la machine police. C'est déjà rassurant. C'est parce que son policier qui a bien un uniforme et puis nous montons nos machines police. Alors que c'est nos machines banalisées d'après la zone, probablement d'après exécuter nous dans la zone d'assaline. Est-ce que TGA, ou cité, ou parler de TGA là, à plusieurs reprises, individu ça à l'époque, depuis le pont au monde, ou pas tourné? Non. Et ça a été la bouche. Ok, exécution. Ou assassin. Et puis c'est ça qui sauve moi et ma fille. Ok. Non, le véhicule là, il va le mener dans notre destination. Est-ce que nous-mêmes nous parlons à policiers qui étaient dans la machine là, qui s'est dit nous? Non, pas de policiers, on seul policier qui était chauffe. Intérieur. Il fait nous monter derrière. Ok. Il met nous chita devant. Et monsieur, c'est très conscient de ça l'affaire. Nous allons nous compte de ça. Il faut qu'on fasse une peine noire net, c'est en novembre. Et monsieur baissé et puis réduit vitesse, là il a passé dans la zone Rue des Miracles, et côté que tu as gagné, il y a un restaurant qui était allié, et Radio Haïti, c'est là nous tout ce qu'on a mangé, bec fin, pour la famille Sterling.
et li pèse, li ralenti cette dernière entreprise qui peut pas fermer dans zone là. Et puis gen administratrice qui connaît très bien puis ouais moi assis dans machine là, il met deux mains en tête, elle dit que pour gagner nouvelle. C'était ça c'était objectif là. Et puis mademoiselle ouais non, il met deux mains en tête, c'était fou. Et nous sûr que mademoiselle Geta dit tout le monde que arrête parce que moi même pas connaît qui ça va l'autre pour nous. Encore ni même ici là. Y a là avec toi avant. Et puis nous même y aller avec nous et puis après ça monsieur mené nous en caserne de Salines, c'est là il mené tout le monde. OK. Non machine ça ou même à filo, y on a regardé l'autre, nous pas même si nous tout les deux nous pas parler, nous dit peut-être fais nous proche pas du tout. Non, nous pas parler, pas dire rien. Pas nous va ni crier ni plaindre ni dire rien. Stoïque. OK. Stoïque. Et mais celle va être un pantalon pour moi, le petit pantalon de science descend et m'a payé pas parce que vous soyez même menotté à filo. Et puis ma peste à main gauche pour me remonter les buts de Paul Sikazimi. Ouais, ça, la regarde dans l'autre visage. Je dis, pas besoin, mettre un temps pour monter les buts. Je dis, pas besoin de presser, mettre un temps. C'est ça seulement, monsieur. Mais je ne vais pas répondre, je ne vais pas dire rien, absolument rien. OK. Et Mounsa, est-ce que par la suite, nous te vinn rencontrer avec nous parler avec et nous vinn comprendre qui ça t'a fait et puis lui expliquer nous vraiment pour qui ça t'a prendre décision ça. Nous te comprendre immédiatement. Nous comprendre ça c'est de sauver la vie. OK. Et ni moi-même ni Philo nous te remercier et de vive voix nous te rencontrer le souvenance. Parce que pas moi Philo même dans tout site vaudou tout côté toute la cour. Et c'est comme gros cérémonie qui t'a fait dans souvenance. Et puis, on est allé ensemble à Philo, puis nous rencontrer Casimir, nous remercier devant tout le monde, nous témoigner, et nous dire, monsieur, c'est lui qui t'a sauvé la vie. Il n'y a pas l'assassiné, là, après. L'assassiné Pétionville. Et nous, même t'es soulagé le fait que nous n'étions pas là. Je ne sais pas dire pourquoi t'as quitté. Ok. Il était ému. Mm-hmm. Et nous disons, c'est pas monsieur, nous pas ta place. OK. Et qui bon monsieur te mené nous? Il mené nous caserne de Saline. OK. Arrivé caserne de Saline, ça qui passé? Non, dans ça yo été mené là parce que interrogatoire c'est individuel. Et puis après ça même bra rencontrer Silo, là avec Silo nous et dans fougon qui a peine là yo pour. Et parce que yo mettait mesdames à part, garçons à part, même là que nous des gain des moments dans le même espace. Et dans ces lieux, nous devons communiquer et nous avons parlé bien fort, nous avons pris un message, mais nous pas trop. Parce que l'interrogatoire était fait, c'était un interrogatoire infidèle et avec un peu de pression, pression pour désolidariser nos deux gens, faire nous connaître les gens sont mulattes, nous-mêmes, et ça nous répond pas avec mulattes, ça, et normalement nous devons jouer avec du balier et de lavage de cerveau, comme ça, nous pas céder. Avec un pile pression et torture, tout le ça. Et bon, chacun passe individuellement devant Prioa, qui s'était valmé, Orsel là toujours, et avec du boulet. L'on dit torture là, et il frappé nous, il a molesté nous. Ou contentionnant qui aurait les marrons qui l'a toujours, qui campait derrière, qui cache le bon souple par ça, et fait tout ça. Et puis, en pile torture psychologique, bon, pas tellement vraiment à me retourner sur l'aspect ça, qui est très, 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 très difficile. Combien de temps ça prend, Liliane et Pierre-Paul, entre... Nous-mêmes, nous avons fait plus qu'un mois. OK. Environ un mois. OK. Un mois et torture physique psychologique. Oui. Et OK yo, nous c'est Venezuela qui genre négociation t'est faite entre gouvernement haïtien et gouvernement vénézuélien pour qu'accueillir nous peut-être c'est des informations que nous vinn gagner après. Non, c'est pas tout ça s'est passé, nous pas dans le Venezuela directement. OK. Le gouvernement pas de destination pour nous, je t'ai tenté pour te voir nous Chili. Mais ça pas passé parce que pas gagne vol direct entre Haïti et Chili. Nous ne connaissons pas qui ça fait, le gouvernement qui a été tenté, pays qui refusait, nous ne connaissons pas. Nous connaissons, ils ont pris nous, ils ont mis nos fougons direction aéroport. Et puis, l'arrivée à l'aéroport, ils ont fait nos salles,
et dans moment dérivé a te gagné American Airlines qui était là, te gagné Air Canada qui était là, te gagné Air France qui était là. C'est par la suite que pour aller apprendre tous les trois compagnies ça veut dire pas porter prisonnier politique. Je dis c'est violation droit international, ne pas prendre. C'était un seul avion qui était KLM, son avion néerlandais qui fait toute zone Curaçao, Bonaire, zone Sayo et qui allait Venezuela. Mm-hmm. Et c'est avion ça gouvernement dit lui-même l'a porté. Et toi l'autre compagnie il a refusé et toi vos compagnies il y allait. Et puis pour nous là bon en mentalité marque dans tout son petit avion toute l'autre société de gros boyinés ils ont fait avion ça déplacé ils ont fait l'aller pour porter ça parce que dans ça on connaît mon c'est qu'on vient accompagner famille dans balcon pour saluer et ils ont fait ils ont poussé cruauté jusqu'à là nous pour aller pour famille nous qui courir qui les attendait au même aéroport pour venir nous toute famille toutes amis nous pour pas reconnaître nous dans notre avion. Parce que l'avion est tellement loin par Kawen. Okay. Et ils fait l'avion déplacer, qui allait très profond et sous-pistant. Et moi-même, le map monté l'avion, seul nous reconnaître, c'est Michel Souka. Parce que Michel Souka a gagné un gros afro dans ça. Je ne peux pas reconnaître personne. Tout le monde est très loin, pas qu'à dessiner. Le monde n'est pas loin. Ouais. Et donc, j'ai poussé pour l'autre. Il n'y a pas de destination. Et avion pour premier escale, et pardon, l'évacuation à sol atterri, mais depuis, dans tout de, depuis avant de l'atterri, et pilote a dit que il y a 7 prisonniers politiques à bord. Et il dit tout de contrôle. Là, ça, il dit ok, la batterie, et tout le passage est normal. Il y a sorti, mais prisonniers politiques, au Kembe, c'est au Kabinto. C'est l'immigration Kabinto. Et c'est comme ça ça passait. Et okay. Puis, pour nous, là, ils ont fini pour nous, ils ont mené nos hôtels. Mais heureusement, c'est qu'il y a une, nous, c'est qu'on contacte dans Curaçao avec un syndicaliste. Et il y a des syndicalistes, il n'y a pas gêné, mais il quitte un petit mot pour lui. Il dit, mais ça passait, nous sommes en prison, maintenant qu'il y a hôtel, ils mettent nous, mais demain matin, il y a des potènes. Enfin, c'était ça, il y a des potènes. Et pour nous là, il dit dans le mot qui était à l'issue des potes, et probablement le régime n'a pas assassiné nous, parce que tout le monde est ouais que nous sommes allés. Et pour nous là, l'un nous retourne pas pour nous, nous avons un moyen de communication, nous avons pas rien de ça. Et ça s'est fait déjà. Et quand nous sommes en exil, nous avons retourné, tu vas l'essayer. Et puis pour nous là, syndicaliste très engagé, monsieur est jeune noir, monsieur est venu à 4 heures du matin, monsieur est débarqué à toute sa fille. L'hôtel côté NPA, et puis son déclaration, il est le gouvernement local là, parce que son gouvernement qui est local, il n'a pas gagné une dimension internationale, et c'est sous compte la Hollande, hein, et son colonie hollandaise, qui vient évoluer en département, et il dit, et il convoque la presse à 10 heures du matin, et il fait et tout service d'État comme ça, il n'y a pas qu'à manger nous. Il n'y a pas qu'à faire avec nous, désormais, dossier A, l'inamène yo même et organisation en curation. Et à 10 heures du matin, conférence de presse pour annoncer ça qui passe. À ce moment-là, bon, nous-mêmes, et parce que nous-mêmes, nous sommes menacés pour nous découper 20 points nous pour pas venir tourner en Haïti. Nous disons que si c'est un moment certain, nous ne pouvons pas quitter et venir tourner en Haïti. On faut y back, Liliane. Et dans l'avion, c'est-à-dire là ouais finalement après un mois de torture nous retrouver nous dans avion même si nous pouvons destination nous ça nous fait nous dire nous respirer et que nous sortir et vivant de griffes du valier nous parler entre nous ou bien nous toujours sous pression moi? Non pas rien respirer pas qu'on est qui soit Marie. Oui mon connu qui est à Haïti quand même. Parce que là, on parle de notre pays. Mais nous-mêmes, nous allons quitter Haïti tout. Ce n'est pas pour qu'on est là, parce qu'on a cherché de partir. Si on quitte Haïti, c'est une catastrophe pour nous. Songez ça, c'est comme on dit dans un petit salle côté qu'on était hier. Si on était dans la prison, tout le pape doit être mené pour être exilé. Bon, le pape cite non, parce que c'était un monde de grand pile et appréciation pour lui. Bon, on. Et dans le secteur démocratique, dans le fond de qui est pas parlé, même pas cité non, parce qu'il va mourir, il va l'assassiner. Et lui-même, il était un père de famille bien établi, l'aéroport,
parce que te gen moun la famille qui te fait des matchs pour te passer exilé li et puis c'était comme si c'était un erreur et puis pour n'aller dire non on dit c'est pour ça moi bon quand une fois sur le bas c'est 70 000 dollars ici parce que le bas c'est pas qu'il te exilé moi pas ici pour ça c'est pas parce que c'est pas ça donc nous même nous te on se dit la gare au moins nous ne connaissons pas qui ça qui côté nous aller, nous ne connaissons rien du tout. Et nous pas parlé du tout dans et avion d'autant plus que le régime nous mettait des espions qui te accompagnaient qui montaient dans l'avion. OK. Et nous pas le ça les qualités sont bien tout est quoi tout est à son nom. Si dit nous ça nous joindre ça nous t'a cherché à nous joindre nous t'ai pensé que nous t'ai mettre du balai à terre les de son avion plusieurs ou vient ouais mon ça par la suite non c'est de et ben mon pas connait c'est de individu banal. OK. Mais il te mettre à bord avion et ça fait pour nous là nous pour aller prendre pile précaution parce que ça me songeait jour soir là mettre dans ils mettaient nous dans un hôtel là et nous toutes nous allons dans seule salle nous pas accepter aller dans chambre individuelle et nous barricader et côté nous chita parce que nous te peur pour pas venir assassiner. Bon et ces réactions ça me dégaine ce soir. OK, gros syndicaliste qui fait mobilisation pour pas quitter nous et tourner et en Haïti et gouvernement local là qui j'en décision hein. Le gouvernement local là vraiment dit informé gouvernement hollandais. Le gouvernement hollandais a protesté officiellement, il dit que c'est terrorisme d'état gouvernement haïtien fait, il force les compagnies d'un côté des prisonniers politiques qui c'est une violation de droit international. Et en plus de ça, le gouvernement hollandais a dit qu'il y a un asile politique, mais c'est en Hollande. Puis on dit non. Pas d'affaire, Hollande n'est pas payé contre le Québec. Pas d'affaire, c'est qu'il y a un asile qui est représenté hollandais. Il y a des présents. Et surtout pour qu'on ait une lettre qui sorti en Hollande. Puis on dit non, pas vrai, quoi, lettre. L'Amérique latine n'en a prêté. Et puis? Et puis, nous ne pouvons pas accepter pour aller en Hollande. OK. Parce que le Québec n'est pas un asile politique. Hein. Et là, nous sommes sur Curaçao. Est-ce que c'est là nous prenons le Venezuela? Bon, nous passons presque 3 mois Curaçao. Et côté tout compatriote mobilité, parce que nous bénéficions de solidarité. C'est là le gouvernement qui fait. Ouais. Qui pensait, dans la période de changement de gouvernement aux États-Unis, période fête d'année, début d'année, et pas de monde qui a mobilisé sous situation. Et bien, tout en belle. En mobilisation sans pareil. Tous les compatriotes qui étaient New York, bien implantés, et dans la bataille contre Duvalier, au Canada, en France, tout le monde a poussé Gilles, nous avons fait un paquet de démarches. Et depuis que nous avons un avion, nous avons fait des démarches pour connaître qui côté avion pour aller. Pour aller, en fait, c'est un avocat américain, défenseur de la monde, Mike Cooper, qui est allé tout aéroport dans la zone pour connaître si l'avion pas atterri pour rejoindre nous. Le moment que l'avion quitte Haïti. Donc c'est là que le gouvernement s'est trompé. Parce que c'est une grosse solidarité, et bien c'est dans la solidarité ça nous peut aller au Venezuela. Et parce que ce n'est pas facile pour des jeunes pays d'accueillir nous. Et nous avons tenté, par exemple, pour aller aux États-Unis avec visa. Et puis là, l'ambassade, non, ça y est, l'année de Venezuela, c'est avant. Et mais l'année de Curaçao, et qu'on y a là, comme le professeur Maniga, c'est dit, ouais, non, et Curaçao, tout près Venezuela. Et il était venu passer une journée avec nous, il jouait un gros rôle pour nous dire qu'il y avait un asile politique. Et pour que le gouvernement chrétien démocrate, Luis Herrera Camping, qui parle de nous, asile politique pour notre Venezuela. Bien que par la suite, nous avons eu des différends avec le professeur Maniga, mais nous avons toujours reconnaître qu'il a aidé nous. Et même Jean Arnold Antonin, parce que Arnold, c'est lui-même qui a ouvert tout. Possibilité pour nous, tout côté pour nous faire la descente, parce que des moments, nous avons vécu pratiquement dans la rue, et c'est Arnold qui réglait tout le travail pour nous. Mais nous avons mis un caillon universitaire dans un quartier résidentiel, nous avons joué un côté pour Philo, nous avons joué un côté pour chacun. Et puis nous sommes toujours avec Arnold, et Arnold le considère comme la guerre là-bas.
et parce que si l'intérêt de Venezuela, tout c'est un beau moment de gagner un mouvement solidarité à peuple Salvador. C'était période c'était une attention fort, une attention pour tel pays, une attention. C'était faire une attention pour Haïti tout. Et c'est un moment d'avoir un paquet d'exilés politiques, parce que c'est un paquet de statuts dans le monde. Venezuela est un pays ouvert. Et nous arrivons, nous rencontrer à tout exil, les États-Unis, c'était l'Argentine, Chili, et Salvador, tout côté ça, tout cela, c'était vraiment bouillonnant. Mm-hmm. Et dans la bataille latino-américaine pour la démocratie, pour le changement dans le continent. Mm-hmm. Comment exil là, et y passé au Venezuela, nous quitter la Caïnou, et puis nous, sans ne pas souhaiter ça, c'est l'autorité qui décide que l'IOP a exilé nous, et là nous arrivons au Venezuela. Nous passer combien d'années, parce que nous avons quitté Venezuela, et puis dans le Canada, c'est ça, avant nous venir sous Canada. Expérience vénézuélienne. Comment juger? Comment t'es dit? Bon, c'était une expérience possible. Nous n'avons pas de gain à ça perdu. Parce que nous avons perdu l'aide de les réfugiés à cause de problèmes pour ne pas retourner dans notre famille. Et nous avons perdu l'appui normalement de les réfugiés. C'est au commissariat des Nations Unies qui t'a aidé nous. Et ensuite, et l'autre problème, nous devons gagner, et nous devons laguer ce secret Venezuela et dans le Congo. Par exemple, moi-même, avec le frère, nous arrêté, nous devons une banque qui a accusé nous. Qu'est-ce que nous fait partie de M19, c'est un gros mouvement guérilla qui a été dans l'État dans le pays Colombie. Pour qu'on ait un pile échange entre Colombiens et Colombiens et Venezuela. Et puis ensuite, gagner une mentalité qui développait dans le couche supérieur et contre les Noirs. En général, il faut comprendre que les Noirs, c'est les Colombiens. Oui. Ouais? Et donc, ils prennent nous pour nous déporter. C'est l'intervention Arnold. Ils ont d'abord déporté nous Colombie. Sous prétexte que nous sommes campés devant une banque, c'est étudier la bêtise qui est pour attaquer une banque dans le cadre M19, ça n'a rien à voir. Parce que depuis la curation, ça a commencé parce que le consul haïtien de Eddy Valdez, monsieur a fait déclaration, il dit qu'on ça que nous avons préparé une invasion pour renverser Duvalier en Haïti. Et même ces accusations, ça vient poursuivre nous, Venezuela, et service secret vénézuélien, comme si nous mettions sous surveillance, comme si nous avions parti de mouvement. Et nous avons loué ça, et nous avons loué le lien, l'un a tenté de demander visa américain, l'ambassade américaine de Venezuela, pour aller aux États-Unis, en attendant que nous jouions nos terres d'accueil définitif. Mm-hmm. Et puis là, nous arrivons nous-mêmes, en toute naïveté, nous allons, nous ne passons pas, et puis nous jouons nos consuls américains qui étaient en Haïti. Et puis, ils posent une question, ils recevaient nous pratiquement en groupe, et puis après ça, ils font la ligne en ligne pour nous ben, répondre. Et puis, ils disent, ah, c'est nous-mêmes qui étions impliqués dans le mouvement, le recampé comme tu vas dire en Haïti, on nous dit oui. Oui. Si c'était qu'on y a été dit, c'était où ils sont carrément. Et dit ça, oui. Et oui, donc, pas moi pour aligner. Quand il a capté fun, quand il a américain, Venezuela. Et capté fun du Valais. Ok. Est-ce que nous tout exilé ou est-ce que nous toujours été soudés ou bien l'autre problème que nous vinn gagner qui fait chaque monde et a essayer qui aime d'ka dire là gérer tête yo gérer problème yo nous été soudés mais en pile fois nous pas du même côté. Mm-hmm. Parce que nous avons un problème de logement qui était posé pour nous et l'un des fait qu'il était mettre dans université. Mais par la suite, comme nous avons gagné des accords avec le principal monde qui était fait, il était mis à l'université. Professeur Maniga? Oui. Mm-hmm. Nous avons quitté l'université. Mm-hmm. Des accords pour qui ça? Des accords politiques. Ok. Ou qu'il y ait plus d'explications? Non, pas souhaiter faire cette explication parce que c'est pour les actes pour ce manigat. Ok. Mm-hmm. Oui.
Et après, mais est-ce que l'amener dit nous-mêmes nous étions soudés à ou qu'on ait son émission à faire et pour nous rendre hommage à Philo? Et est-ce que nous allons éparpiller à partir de où ça là nous venons quitter hein, et nous allons éparpiller et tout pas gain côté pour recevoir tout le monde ensemble à Nord et pour jouer un gros rôle à pas chercher carré pour nous qui côté qui monde qui va recevoir. C'est pour Philo, lui-même, il est avec son pays de père ouvrier, et père Patricio, avec PC. Moi-même, et maintenant, l'autre côté, dans l'organisation de la Floresta, pour avoir des difficultés pour nous rencontrer, mais pas quoi, pour nous là, pour communiquer, pas de soupe, et pour l'ordre de son cas, on ne va pas utiliser le téléphone, non. Et ensuite, c'est très limité, puis on gêne tout, le fait qu'on ait un étranger. Et qui déjà est généreux le fait de recevoir la caille, on va l'abuser de lui. Et ensuite, pour payer moyen de transport pour déplacer, c'est pas évident, non, mais pour payer quoi pour payer transport chaque jour. Donc, nous avons des difficultés pour nous rencontrer. Et c'est dans le bureau des Nations Unies nous avons rencontré plus souvent, qui était dans nos aides et au commissariat des Nations Unies. Et puis, avec Arnold qui nous réunit, nous, qui nous fait des activités. Il mène dans la caille, il fait manger pour nous, il met à Madame de Béatrice, à tout le monde de Béatrice. Et il y a deux ou trois autres compatriotes qui tapent en exil et qui ont invité dans la caille. Et c'est d'après ça que nous rencontrons, mais nous ne pouvons pas rencontrer, nous ne pouvons pas parler, et nous ne pouvons pas communication, nous ne pouvons pas gagner SMS, nous ne pouvons pas WhatsApp, nous ne pouvons pas dire ça. Justement, est-ce que nous t'es informé de ce qui a passé en Haïti et après le départ et nous? Ah, c'est un petit gros problème qui te gagne. Marie-Lucie, moi, vous invitez pour me parler de Philo et puis vous venez là. Non, parce que vous connectez à Philo. Depuis que vous parlez de Philo, époque, ça, vous obligez de parler de lui. Eh bien, qui ça fait le passé? Là, nous, je viens d'asile politique Venezuela pour nous-mêmes, parce que l'un des Venezuela, l'un des Haïti, la période, ça, c'est qu'on radio, les radios pour nous. Parce que tout le monde est content d'être en Haïti, qu'on radio, et même je vois faire le Venezuela, mais c'était pour Bolette. Nous-mêmes, nous disons, pour nous, les Venezuela, nous prenons la radio Umbo. Bon, pour juste un quitter Venezuela, nous parlons de la radio Umbo. Nous pensons, et puis nous disons, ah, en Amérique latine, non, nous allons aller la Hollande, nous allons aller en Amérique latine pour continuer pour la constitution. Là, nous arrivons en Venezuela, c'est comme si en Wissim, c'est tellement loin. Pour nous connaître ce qui se passe en Haïti, pas pour nous être tournés. Pour nous connaître ce qui se passe en Haïti, c'est. Et New York, c'est New York qui pouvait former. Parce que New York, c'était centre névralgique de l'opposition haïtienne, dans la période ça. Et c'est Canada, oui, mais New York, là, c'est beaucoup plus important. Et c'est New York qui avait formé une débat avec la personne. Si nous ne parlons pas, si New York parle, nous, parce que nous ne pas tout pour nous aider nos téléphones, si les compatriotes de New York ne sont pas informés, nous ne sommes pas contre la capacité. Même par la force, nous, quand nous venons à Haïti, observateurs, et 4 semaines après, c'est une société, okay. Nous sommes coupés net. Nous allons nous compte de ça. Parce que pas de gros communauté haïtienne, c'est de trois mondes. Et nous sommes très, très, très loin Haïti, le Venezuela. Mais nous avons des contacts à ce moment-là. Parce que même solidarité, nous bénéficions à compatriotes dans toute diaspora. C'est même solidarité, ça, nous bénéficions ici, même en Haïti. Et il y a deux employés dans Téléco. Section internationale qui risque vie, mais nous faisons parler chaque jour à ce moment-là, chaque soir. Nous avons rendez-vous pour nous parler dans le téléphone. Si on est jeune, nous avons fait un peu de temps. Et nous. Oui, oui. Je montre que tout le monde qui risque au sous-régime. Et nous avons cherché, nous avons joué une côté de nous, quitte la Curaçao, quitte la Venezuela, nous faisons parler avec la famille chaque soir. Donc, dans la famille, il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, il y a un regroupé, il y a l'autre qui a un téléphone. Pour nous parler chaque fois. Non seulement le monde ça qui permet de nous parler, il était risqué, mettre en danger plus famille nous même qui a parlé avec nous là, ça dit problème et tout le monde. Et nous combien de temps Venezuela, combien d'années? Bon, Venezuela nous fait environ 2 années. OK. 1 année nous fait, mais c'était très difficile, persécution. Et service secret vénézuélien, c'est très difficile. Par exemple, moi-même, pour téléphone,
yo paraît yo jeune chita sur terra kaimon yo interpellé yo m'a dit qui ça en fait dans kaisa parce que yo sont moré d'ami comme dans quartier blanc hein moré n'a pas rien droit chita et manda et puis là il vient connaît les on a et puis pourquoi pas papier toute la journée et puis là monter papier papier à li gen bay politique là dans en fait ça je dis que yo persécuté non.